Yes, we are free. Out of quarantine. Okay. そして皆さんの意思を確認をしてきたけれども、まあ、正直言って誰一人としてどこからも何て言いますか反対のような質問やそういうものは全くなかったと。そしてみんなが早く東京大会に全員成功させていきたいというそういう強い気持ちであったと。日本側の大臣、都知事、一緒に組織委員会、そしてバッハ、会長などの会議を2月のしかるべき時に開催しようという話、提案がありまして。NHK の今井です。いかに、まあ、バッハ会長としてはこのワクチンに、ワクチンの接種がまあ大いに進んでですね、日本で、そのできるだけ大勢の人ができるだけ早く接種できるよ。
No way. Woo-hoo! Oh. Oh. That was pretty scary. Pour l'heure, on savoure donc ces images, les premières de jour d'arrivée de Vendée Globe 2020-2021. Boris Herrmann avec les feux de Bengale et ce bateau blessé. Ce bateau blessé, lui qui a même accroché avec ses voiles d'avant, hein, quand il s'est réveillé, quand il est sorti, il a vu que, eh bien, il avait du matériel de pêche accroché sur une des voiles. 21h, Boris Herrmann, premier skipper allemand de l'histoire, a bouclé la boucle, l'Everest des mers, ce Vendée Globe. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux depuis le 8 novembre, évidemment. Vous avez suivi et passé la nuit en notre compte, donc survenu avec un chalutier, Boris Herrmann, qui a même craint, hein, de perdre son mât. Voilà pourquoi il a en Nouvelle-Zélande, à cause de multiples problèmes, mais notamment de son Vendée Globe. On me dit qu'il n'a pas franchi la ligne. Je me suis laissé abuser par ses feux de Bengale et ses fumigènes qu'il a craqué, ses fusées de détresse, donc malgré ses malheurs, que Boris Herrmann vient donc ou s'apprête donc à franchir la ligne dans le brouillard, exactement